le dernier colis, c'est vraiment le colis le plus grand. Et c'est tout simplement vraiment pas mal. Et est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo Wish là? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. En tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir des colis Wish épisode 5999000 de la mort qui tue. Ouais, on peut dire que j'en ai fait beaucoup, mais en même temps vous adorez ça. Et aussi comme vous avez pu le voir, cette vidéo est en partenariat avec Rebuy, c'est un site de reconditionnement de téléphone, enfin de multimédia en fait. Et ça se pourrait bien que grâce à ce partenariat je pourrais vous faire gagner un téléphone pendant cette vidéo, hein, qui sait, on verra dans cette vidéo, hein. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Bref, avant de commencer cette vidéo, je compte vraiment sur toi pour m'exploser cette barre de like en bas de cette vidéo. Je veux tout simplement que vous me bombardez cette barre de like si tu veux que je fasse d'autres vidéos Wish, parce que là je suis chaud. Et aussi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as acheté des trucs sur Wish et qu'as-tu commandé. Sur ce, on va commencer cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Donc ce que je vous propose pour cette vidéo, c'est d'ouvrir du plus petit colis au plus grand, hein. Comme ça, ça fait garder un peu le suspense du gros colis, attention. Moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous ne savez pas encore. Tout simplement, on va déballer le premier colis. Donc ce premier colis, ça a l'aspect, je sais ce qu'il y a. Alors là, je sais ce qu'il y a. Et hop là. Ah, stylé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des stylos, mais en forme d'os d'humain et tout ce qui reste avec. Et puis voilà. En voyant ça comme ça, c'est assez chelou, mais vous allez voir. Hop, les stylos, et ça en fait beaucoup. Ça je peux te dire. Ça pourrait être stylé dans un cabinet de médecine ou le, tu sais, le médecin tout ça, ou alors je sais pas s'il y a des médecins spécialisés dans les os ou tout ça, sûrement, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Mais imagine, t'arrives dans son cabinet pour te faire opérer ou un truc comme ça, et d'un coup tu vois ça, ça ferait un petit peu peur quand même. Donc déjà ce que je propose, je vais en prendre un au pif et je vais voir s'il marche, hein. Simplement, hop, ah bah ça marche bel et bien. Regardez, vous pouvez voir le petit truc, et en fait ça marche bel et bien. Pas mal ces stylos. Prochain colis. Pour le deuxième colis, et tout simplement il y a quelques... Ah, il y a deux choses à l'intérieur. Ah, je crois savoir. Attention, on va ouvrir. Et c'est... Ah oui, quand même. C'est tout simplement un tas à crayons Coca-Cola et Pepsi. Donc ça a l'air d'un tas à crayons normal, hein. On peut voir que... Ah, il y a même... Attends, c'est quoi ça? Ah, il y a même une gomme avec à l'intérieur. Ah d'accord, il y a un tas à crayons plus une gomme à l'intérieur. Eh, c'est pas mal. Ensuite, là, vous pouvez voir actuellement, il y a le trou pour tailler le crayon. Et aussi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un crayon par ici? La réponse est oui. Donc on va voir est-ce que ça marche, parce que là, il est pas taillé, hein. Je vous dis rien, il est pas taillé. Donc on va tailler ça, à très faire attention avec la mine. Ah, voilà. Il en faut pas beaucoup pour tailler. Donc voilà, le crayon est taillé tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais heureusement qu'un crayon, il fait son job, parce que sinon, ça serait nul. Et puis non, c'est pas mal. Bon, il y en a deux. Je vais garder celui Coca-Cola, je vais donner Pepsi. Hein. Ah non, c'est pas parce que... Oh, si. Prochain colis. Et le troisième colis, voilà, il est tout petit, il est très fin. On va l'ouvrir, hein, voilà. Hop, et ah oui, d'accord. J'ai compris pourquoi ce colis était si fin. Parce que tout simplement, c'est une gomme en forme d'iPhone. Donc on va l'ouvrir, voilà. Je vous cache pas, je suis un peu déçu dans le sens que vous pouvez voir face à ma main, c'est vraiment très très petit quand même. Que sur l'image ils m'avaient fait rêver, tu vois, ils ont mis un grand, une grosse gomme iPhone et tout ça. Et en fait j'ai reçu ça, petite gomme en forme d'iPhone. Est-ce que je suis dégoûté? Ouais. Et en parlant d'iPhone, j'avais pas un iPhone à vous faire gagner moi? Eh ben tout simplement, ce que je vous propose, c'est d'aller l'acheter. Donc là tout simplement, on est sur le site Rebuy. Et en fait, ils nous demandent soit de vendre un produit ou soit d'acheter. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter un produit. Donc là, on a la possibilité d'acheter soit des mobiles, soit des tablettes, soit des consoles, soit des Mac. Bon bref, beaucoup de choses. Tiens, même des caméras. Bon bref, moi ce qui m'intéresse pour vous, ça va être un iPhone. Donc simplement, on va sur les iPhones, attention. Et tout simplement, voilà, on a plein d'iPhone et tout ça. Et qu'est-ce qu'on va choisir tout simplement? Donc ce qui m'intéresserait, ça serait plutôt un iPhone 6S. Donc hop, on va cliquer sur celui-là. Donc simplement, une fois qu'on est sur l'iPhone 6S 16 Go, donc on a la possibilité de choisir la taille de mémoire, la couleur et aussi son état. Donc moi ce qui m'intéresserait, c'est quand même d'avoir un téléphone en bon état. Donc simplement quelques marques d'usure, pleinement fonctionnel, 36 mois de garantie, c'est-à-dire 3 ans de garantie, donc c'est plutôt pas mal. Et tout simplement ce que je vous propose, c'est de l'ajouter au panier. Allez, au panier. Le moyen de paiement, je vais choisir par PayPal et tout simplement acheter. Donc le produit est commandé, je vais le recevoir sous 3-4 jours, mais moi ce que je vous propose, c'est de voir le téléphone maintenant. Attention. Et le colis, il est tout simplement ici. Donc ce que je vous propose, c'est pas le colis, ce que je veux, c'est le téléphone à l'intérieur. Ah, voilà, on casse et tout simplement on va prendre le... Ouh, on va enlever ça et voilà la petite boîte de l'iPhone 6S. Est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal tout ça. Donc j'avais commandé un 16 Go, c'est un 16 Go. On va tout simplement l'ouvrir. Ah, je vous dis tout de suite, c'est pas un unboxing. Hein. Au niveau
niveau de l'écran, bah, je vois pas de rayures, hein, c'est impressionnant. Maintenant, on va voir le petit téléphone. Et même derrière, et franchement, ils disent téléphone en bon état, mais c'est plus que bon état, parce que moi, je vois pas une rayure. Et tout simplement, est-ce qu'il s'allume? Va-t-il s'allumer? Et oui, il s'allume. Donc tout simplement, ce téléphone, je compte vous le faire gagner, mais à une seule condition. S'il y a tout simplement plus de 8000 likes en bas de cette vidéo, bah, tout simplement, je ferai gagner ceci sur mes réseaux sociaux. Je compte vraiment sur vous, c'est quand même un produit à plus de 250 balles. Donc voilà. Bref, avant-dernier produit. L'avant-dernier produit est super léger. Hein, vous pouvez voir, il vole parfaitement pas bien. On va ouvrir avec le truc. Voilà. Et c'est... Ah oui! Et attention, un stylo smiley. Mais ouais, trop stylé. Donc vous pouvez actuellement voir le petit smiley avec... Ben voilà, c'est un stylo. Ouais, avec une jolie matière. Ben comme si c'était un vrai coussin. On va voir aussi s'il marche. Parce que si ça marche pas, ça sert à rien encore une fois. Attention. Et ça marche. Et ça écrit en bleu. J'aurais préféré le noir quand même. C'est le mec indulgent de ouf. Et le dernier colis, c'est vraiment le colis le plus grand par sa taille et son aspect. Et c'est tout simplement le sac Fortnite. Voilà, tout simplement. C'est le sac Fortnite avec écrit Fortnite moment. Donc il y a encore une autre emballage. Hop, on va l'ouvrir. Hop là. Voilà, c'est vraiment le sac Fortnite Battle Royale que j'avais commandé dans la précédente vidéo Wish. Donc là, il reste un peu plat. Donc ce que je vous propose, c'est quand même de l'ouvrir pour essayer qu'il prenne son aspect de cartable. Hop là, et voilà. Ici, on va l'ouvrir comme ça. Et oui, j'ai l'habitude. Hein, oh. J'ai été collier moi aussi. Hein. Donc là, au niveau des poches, il y a une poche là pour ranger ses trucs. Une poche aussi là pour ranger son petit goûter. Une autre poche ici. Et aussi à l'intérieur, est-ce qu'il y a une petite poche? Il y a aussi une autre poche à l'intérieur pour ranger son agenda quand tu vas en cours, quand tu as les devoirs à faire. Tu vois les trucs chiants là. Donc voilà, le petit sac Fortnite. Bref, voilà, c'est une petite vidéo tranquille. J'ai voulu déballer les colis que j'avais reçus. N'oubliez pas mes poulets 8000 likes et je fais gagner ça. Si tu peux aller voir dans la description, il y a plein de choses intéressantes comme mes réseaux sociaux ou en fait, ou autres liens du site Rebuy ou d'autres trucs. Je compte sur toi pour aller voir à la description. Bref, c'était tout pour moi. Ça a été un plaisir de tourner cette vidéo avec vous. Et puis, sur ce, mes poulets, je vous dis. Allez, abonne-toi parce que là, je vais aller en cours là. Attention, ouais, c'est un gros truc.